Nation, Yad Nation, Yad Zone ou tout simplement Yad. Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous dis cash, je vais pas être là pour être gentil, d'accord? Je vais pas être là pour être gentil, mais je vais être là pour vous faire quelque chose. Je vais être là pour vous frapper mentalement. Je vais être là pour vous frapper mentalement aujourd'hui. Les premières vidéos, ça va, c'était gentil, on était là, on vous donnait des conseils, tout. Mais au bout d'un moment, moi là, je vais juste vous smasher. Je vais juste vous smasher dans le... Je vais pas, bon, physiquement, tu vois. Je vais vous smasher mentalement pour que ça bouge là-haut, ok? On va parler. On va parler à vous les mecs, à vous les femmes, à vous qui souhaitez devenir entrepreneur et à atteindre vos rêves. Pourquoi vous êtes négatif? Pourquoi vous êtes négatif? Pourquoi vous vous plaignez tout le temps? Pourquoi vous êtes autant bas? Pourquoi vous êtes autant bas? Pourquoi? Je vous pose la question. Je vous regarde droit dans les yeux. Pourquoi vous êtes autant bas, bordel? La vie est magnifique. D'accord? La vie est magnifique. Au lieu de prendre ton Domac, ton Burger King, je sais pas quoi, ton vieux fast-food de merde, frérot, tu croques ton burger comme ça à pleines dents. Frère, tu fais la même chose. Prends la vie, croque, et la dalle, et les crocs, frère. Pourquoi tu restes sur ta position de confort? Pourquoi? Tu as des grands rêves. Je ne sais pas, toi derrière ton écran, les rêves de fou que tu as, mais je suis sûr que dans ta tête, tu as des rêves. Tu as des rêves, ils sont inimaginables pour moi, ils sont inimaginables pour personne d'autre que toi. Et toi, tu décides de faire comme ça? Non. Si tu as des grands rêves comme ça, dis-toi que c'est pas pour rien. Dis-toi que c'est pas pour rien. Si ces grands rêves, ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Tu dois te battre. Si tu es ici sur cette planète, tu dois te battre, tu dois prouver ta place. Tu dois prouver ta place. Bats-toi, arrête de rester en bas. Là, si se trouve, tu es en train de regarder ma vidéo, tu as regardé les autres d'avant, où tu étais là, ouais, super, je prends mes douches froides et tout, machin, mais là, actuellement, ça se trouve, t'es avec un pot de Nutella, avec une cuillère, tu es en train de t'enfiler, tu as ta bouteille de coca à côté, frère. J'ai envie de te mettre des patates derrière ton écran, de te mettre des claques. Relève-toi. Tu fais quoi? Jette ton pot de Nutella par la fenêtre, je m'en fous. Que tes parents ils te disent quelque chose parce que t'as acheté un putain de pot de Nutella par la fenêtre, je m'en fous. Jette ce pot de Nutella. Cette bouteille de coca, tu vas la vider tout de suite. Tu vas la vider, tu vas dans tes chiottes, frère, tu la vides, tu la remplis d'eau froide. Et tu bois cette eau. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est simple. T'as des fruits, tu vas te chercher des fruits et tu vas te bouffer 5 fruits là en regardant cette vidéo. Ok? Là, on va mettre une petite pause, tu vois, histoire que t'ailles faire tout ça, tu vois, tranquille. Et puis en attendant, voilà, je vais vous parler un peu de moi, tu vois, et tout. Ça va pas être long. Donc, moi, en gros, j'ai beaucoup été comme ça où j'étais dans le confort de ma vie et j'essayais pas d'aller plus loin. Le problème, c'est que moi, j'étais beaucoup comme ça. J'avais des pensées sombres de ouf. Je dis pas ça pour faire le gars ou quoi que ce soit. Je te dis ça parce que c'est mon ressenti et parce que c'est du réel, encore une fois. Pas de merde ici. Ici, on t'annonce que du réel. Contact. On te dit que ce qu'on pense ici. On dit que du réel. On dit que de la réalité. On dit pas du vrai. On dit pas de la réalité. On dit de la vraialité ici. D'accord ? Voilà, maintenant que t'es revenu à ta place et que je t'ai parlé un peu de ma life, j'espère que t'as pris tes fruits, que t'as jeté ton putain de pot de Nutella, t'as vidé ta bouteille de coca et que t'as mis de l'eau à la place. On reprend. T'es aussi bas, frère. Pourquoi t'es aussi bas? Tu mérites d'aller plus haut. Tu mérites. Tu te trouves moche. Tu te trouves laid. Parce que t'es gros, parce que t'es mince, parce que je sais pas. T'as un truc qui joue pas chez toi, mec. Passe à l'action, bordel de merde. Je sais pas pourquoi tu ne passes pas à l'action.
Qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action? T'as peur de l'aventure? T'as peur du goût du risque, gros? Mec, un être humain, ça a soif d'aventure, ça a soif de dalle. Un être humain, ça a soif de ça. D'accord? Un être humain, c'est pas censé avoir la soif d'une zone de confort. C'est les moutons qui ont soif de zone de confort. Ouais, je le dis clairement. Et je m'en fous. Je m'en fous parce que je vais te dire cash, j'ai fait une vidéo sur le regard des gens et tout. Bah là, c'est ce que j'applique. Je m'en bats les couilles du regard des autres. Je m'en fous. Je m'en fous. Moi, je dis ce que je pense. Encore une fois, je vous dis la vraie réalité sur cette chaîne. De la vraie réalité, bordel. De la vraie réalité. On s'en fout. Ok? Je te balance ces conseils, t'en fais ce que tu veux, d'accord? On reprend. Passe à l'action. Deviens un vrai homme, deviens une vraie femme. Deviens entrepreneur, deviens entrepreneuse. Applique tes rêves. Fais de tes rêves une réalité. Arrête de dormir pour vouloir voir tes rêves. Travaille pour voir tes rêves physiquement. Arrête de dormir pour voir tes rêves dans ton imaginaire. C'est beau, c'est magnifique de voir tes rêves dans ton imaginaire. Je sais pas, tu te vois avec ton putain de Lamborghini Urus, tu dors, tu vois avec un Lamborghini Urus qui t'attend dehors, t'es en été, frère. T'es là, t'es avec ta tchaï, elle a des belles courbes, cette magnifique femme, elle est entrepreneuse et tout. Ou c'est un bel homme, il est musclé, il est entrepreneur, il est imposant quand tu vois. Frérot, tu veux tout ça? Passe à l'action. Smash la life. Smash, smash, smash cette putain de vie. Smash là maintenant. Arrête de te renfermer dans cette zone de confort, je t'en supplie. Arrête de te renfermer là-dedans. Il te faut quoi? Il faut qu'on te batte à mort pour que tu te réveilles ou quoi? Non. Tant de souffrance n'est pas nécessaire. D'accord? Les moments difficiles, s'ils arrivent, tous ces moments difficiles, s'ils arrivent, c'est pas pour te rendre plus faible, c'est pas pour que tu t'apitoies sur ton sort. Ils sont là pour t'apprendre quelque chose et à te faire devenir plus fort. Si toi, tu t'apitoies sur ton sort et tu t'insultes, en fait, ça marchera pas, ça marchera pas. Et surtout, arrête de procrastiner, arrête de tout remettre au lendemain, sur lendemain, je t'en supplie, mais quelle erreur, mais quel échec! Mais quel échec! Quel échec! Mais je te le dis sincèrement, quel échec! Pourquoi tu remets tout à demain? Tu fais les choses, tu passes à l'acte, tu changes, que ce soit dans le business, que ce soit dans le sport, que ce soit avec des mecs, avec des meufs, que ce soit avec ton patron, que ce soit. Passe à l'action. Passe à l'action. T'as peur de dire les choses, mais passe à l'action. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'as même pas essayé de dire les choses, t'as même pas essayé de faire les choses. Qu'est-ce que t'en sais? Arrête de prévoir les choses comme ça, t'as même pas essayé. Ça se trouve, t'as même pas imaginé. T'as imaginé la chose que tu pourrais faire, t'as même pas imaginé le positif que ça pourrait amener, t'as direct imaginé le négatif de tout ce qui pourrait t'apporter. Frère, non, passe à l'action. Smash la vie. Ok? Arrête d'être aussi bas, arrête. Ça sert à rien d'être aussi bas. Ça ne t'apportera que du malheur dans ta vie. Ça t'apportera que du malheur. Tu veux finir comme un mec qui fait métro boulot dodo ou je sais pas, comme un mec qui vit pas heureux? Après, je dis pas, certains, leur passion, c'est faire métro boulot dodo. Je respecte. Les passions de tout le monde ne se disputent pas. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais si tu peux avoir une vie meilleure, donne-toi-en la taille et la force de prendre cette vie là en haut et de la ramener là en bas comme ça. Et après, tu grailles cette vie, mec. Le but, c'est ça. Ok? Voilà. Moi, j'ai fini de vous mettre ma petite claque maintenant. C'était juste une petite claque comme ça. J'espère que ça va te réveiller un peu. Regarde, je te mets même des petites claques comme ça, histoire que ça te réveille un peu. Hop, 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 tu t'en manges assez. Allez, c'est bon. Je vais te laisser tranquille. Bref. La YAD. N'oubliez pas tout ce que cette vidéo et tout ce que les autres vidéos précédentes ont pu vous apporter. N'oubliez pas et appliquez Smasher la vie. Ayez la dalle. Ok? Abonne-toi. Like. Dislike si t'as pas aimé. Je m'en fous. Lâche un commentaire. Fais ça.
fais ça. Si tu as le temps, franchement, fais-le. Tu serais sympa. Voilà, je te le dis cash. Ça pourrait nous aider pour l'avenir, pour vous faire de meilleurs contenus de vidéo. Ok? Bref, j'insiste pas plus. Passe une bonne soirée, soldat. Bon week-end à toi. Et n'oublie pas, tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, tu appliques. C'est clair? Cette vidéo, c'était, j'espère que pour certains, je vous ai mis une monstre claque de fou. Là, j'espère que je vous ai mis une monstre claque. Mais surtout, surtout, après cette vidéo, peut-être vous aurez la motivation, peut-être vous l'aurez, mais ne la perdez pas. Ne la perdez pas. Même cette motivation, vous devez l'avoir sans regarder cette vidéo. Mais si des personnes n'ont plus cette motivation, regardez cette vidéo dès maintenant et motivez-vous, bordel. Motivez-vous. La YAD, YAD Corporation, YAD Zone, on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao les frères, c'était un plein plaisir.